海賊王にだってなれねえ。Konnichiwa, c'est Kusa, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc pour le DLC Naruto Full Burst qui est sorti le 25. Aujourd'hui on est le 26. Donc on va y aller tout de suite, donc c'est dans l'historique des ninjas. Donc je vais tout simplement vous expliquer pourquoi il arrive un peu en retard. Donc tout simplement je le fais un peu en retard car au début j'avais pas l'intention de le faire vraiment. Mais en fait, attendez, je vais vous expliquer ça pendant le combat ensuite. C'est pas la peine de... Ça ferait un sujet de conversation. Donc on va jouer le combat avec Sasuke. Donc, petite parenthèse, merci à Dylan de m'avoir passé Full Burst. Parce que moi, franchement, je pense pas que je l'aurais acheté. Mais vu qu'il me l'a donné, ben, je te remercie vraiment. Merci, c'est super sympa. Donc on va utiliser Abento de la foudre comme... Si vous avez pu le remarquer, ce combat est assez difficile. Donc voilà, héros. Je pense qu'on peut y aller. Ixoda.実は闇にこそ存在する内葉一族として、この葉隠れの忍びとして偽りを重ね、過去すらも欺き、それが未来に繋がると信じ、ただ一人、俺は許せ、サスケ、これで最後だ。 闇を歩いた。 そして何者も知らぬまま、見えぬまま、俺の存在とともに真実も消えるものだと、そう願っていた。だが、 いたし、思うようにはいかないものだ、まったく。なぜだ、なぜあんたがここにいる。あんたは俺が、今の俺は江戸転生だ。江戸転生、一体どういうことだ。 僕の術だよ、サスケ君。僕の力で彼は現世に戻ってきたんだ。もっともこの術が跳ねのけられるとは思ってなかったけどね。お前は兜なのか。 前に会った時より見た目が変わったからね、驚くのも無理はない。今の僕はあの時の僕とは違う。
今は戦争を牛耳っている存在。江戸天聖を操り、あの五影すらも翻弄する。わかるかい？何もかも手のひらで踊ってるんだよ、この僕のね。イタチ、君は江戸天聖を解くためここまでやってきたのだろうけど、残念ながら君の思い通りにことは運ばないよ。なぜなら、生も死も操り、神にでもなった気でいるのなら、それは大きな誤りだ。完璧だと思っているこの術にも弱点がある。へえ、それは実に興味あるね。工学のためにぜひとも教えてくれないかい？江戸天聖の弱点っての。この術の弱点とリスクはこの俺の存在だ。タチ、お前の言いたいことは分かっている。だがそれに答えるのはこの戦いが終わり、江戸天聖を解いた後だ。あんたはいつも俺に今度だ後でだと嘘をつき、挙句死んだ。だから今度こそ約束は守ってもらう。かつて憎み合っていた兄弟が仲良くこの僕に挑むわけですか。面白い。これは後悔してももう遅い。君たちは初めから僕の手の内にいるんだよ。Et donc voilà, donc la cinématique en tout cas ça a vraiment rien à voir avec le premier fragment qu'on avait dans Storm 3, et c'est complètement différent et c'est beaucoup mieux fait. Donc vous avez remarqué que Kabuto est passé en mode ermite, des serpents ou des dragons. Enfin, il me semble que c'est devenu un Sennin dragon ou un truc du genre, hein. Je ne sais plus vraiment. Donc voilà. Et donc oula. Bon ben j'ai pas fait exprès mais j'ai réussi à l'avoir, donc c'est pas mal. Donc je disais, oui, au début je voulais pas faire, je ne voulais tout simplement pas faire ce fragment, car extrêmement beaucoup de personnes l'ont fait, mais après mûre réflexion, et que j'ai parlé avec des youtubeurs, etc. Je me suis quand même dit que si je faisais pas le fragment, c'est comme si je faisais le let's play pas en entier quand même. Donc je me suis dit, voilà, les let's play je les fais en entier, donc je vais finir... Et je vais le montrer à mes abonnés, et donc voilà. Hop là. On va essayer de montrer un bon gameplay, malgré que... Bon, c'est un peu dur de se concentrer en même temps qu'on parle. Hop là. Sachant qu'il a des permutes illimitées, je crois, un peu dans le genre. En plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais Edo Itachi utilise le Katon. Mais c'est malheureusement, ce n'est que en... Comment dire? Merde, j'ai loupé. Ce n'est que en... Dans ce fragment, en gros. Hop là. Katoum, Kukyaku no Jutsu. Alors, QTE. Yarune. Kedo. もはや完璧な僕にはこの程度の傷。引きはしないんだよ。大した回復力だな。どうする？俺に任せておけ。奴を道術にはめる。道術に？一体何を？悠長に話している暇などないよ。先方、無期転生。
感知能力が今までの比じゃなくてね。マリ。この状況さて先方迫撃の術状態でよくも。お前の行動パターンは分かった。これからは俺が操る。操る？さっき言ってた道術か。一体何をしようってんだ。奴の運命を握る究極の道術。誰ごと？何か策を講じているようだけど、今の僕には何をやっても無駄だよ。どんな能力も合わせ持つ僕に誰も届きはしないのさ。サスケ、俺から離れるな。Et donc voilà, donc cette fois c'est vraiment le combat contre Kabuto, le final. Donc en gros il est en mode éveil et on a Edo Itachi qui aime quand même beaucoup. Enfin moi je trouve qu'il est plus puissant que Sasuke. Après c'est mon avis. Donc là. Voilà. Donc vous voyez que par contre on fait extrêmement beaucoup moins de dégâts que normalement. On va essayer de lui faire une TS pour faire remonter. Merde. Tant pis, c'est pas grave. Hop là. On va faire ça. Et hop là. Xokaton. On va le reprendre en l'air. Ah donc là par contre il va arriver en trombe. Hop là. Putain j'ai pas réussi à l'esquiver. Et encore une fois. Qu'est-ce que tu fais avec son serpent tout pour là? Ah putain je l'ai loupé. Mais quel teubé. Jiro. Putain là c'est abusé. Attention. Aïe aïe aïe. Heureusement qu'il peut pas m'avoir. Une fois qu'on est par terre. Bon, il m'a eu. Bon, vu qu'il est un ordi, il est con. Bon. Je pensais qu'il allait se faire avoir. On va reprendre de la vie. Donc, vous voyez, dans ce combat, faut vraiment prendre de la vie. Sinon, c'est dans la merde. Hop là. Ah putain, il est remonté en haut encore une fois. Donc vous voyez qu'il y a tous les persos à la fin de Naruto, ceux qui ont enlevé Sasuke quoi tout simplement. Hop là. Alors là c'est vraiment le moment. Mais non, je voulais pas faire ça. Hop. Donc là, la technique secrète qui est juste un dash à faire. La technique secrète, je me comprends pas.
Et voilà, donc ça c'est réussi. Et on va continuer à le frapper. T'as eu, hein. Donc là, faut esquiver les fantômes. Hop là, esquive. Mais par contre, c'est assez chiant à esquiver quand même. Hop là. Voilà, on va lui faire un combo et on va recharger un peu notre. Oh putain, comment il fait mal. Hop là. Et voilà. Par contre, je sais pas pourquoi je peux plus utiliser les extra hits là. Oh, regarde, regarde. Donc vous voyez que si vous avez les potions et tout, ils posent pas vraiment de problème. Oula. Par contre, ouais, si vous avez pas de potions, ça va vraiment être chaud pour le battre. Ah putain, Yuya qui est assez chiant comme ça. Aïe aïe aïe, mais quel tobé. Bon, vu qu'il est con, XO, voilà. XO. Bon. Donc, super beauté ce passage. Excusez-moi si je parle pas vraiment fort, je suis un peu fatigué. J'espère que vous me comprendrez. Wow. Attendez, on va essayer de faire un beau truc quand même. Hop là. J'aimerais bien genre faire. Voilà. Ah mais non. On va, tant pis, on finira comme il veut. Ouais, du coup il ramène tous ces trucs là. Par contre l'étoile d'araignée, j'ai jamais compris à mon avis, ça doit vous bloquer l'étoile d'araignée, mais. Je sais pas vraiment ce que ça fait. J'ai robot. Et où ça vous ralentit en fait. Aïe putain, je me suis pris le dernier comme un coup. Et voilà donc le QTE final. こちらも言ったはずだ。何もかも手のひらで踊ってると。君も例外ではないんだよ。
お前の運命はすでに俺に握られた。それをなす一家の禁術、それがさなみだ。サスケ、俺から離れるな。まるでデジャブだね。もう見飽きたよ。お前の運命はすでに俺に握られた。それをなす内派の禁術、それがイザナミだ。サスケ、俺から離れるな。何なんだこれは。お前は俺の道術にハマった。そんなバカな、僕は完璧なはずだ。そんな僕が。わからないのか、お前は決して完璧ではない。うちはいたち。やつはこのループから逃れることはできない。運命を決める術、これがイザナミだ。俺の道にもようやく終わりが見えた。父さん、母さん、あの時たもとを分かった道も、これで。Et donc voilà, donc c'est la fin du fragment. Il va y avoir une cinématique très émouvante juste après et je couperai tout de suite après. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert en bas de la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube, à rejoindre ma page Facebook et Twitter. Donc voilà, arigato, matane. Ne, ushi.サル、トラ、タツ、イ。これ以上は俺のつくよみでも反応しない。怪術の因はこれで全部ということか。無限に続くループ、それがイサナミ。一体いつ仕掛けたんだ。カブトが最初にお前の刀で俺を攻撃した時だ。あの時か。ループにはまったカブトは身動きが取れない。そして俺のつくよみで江戸転生の怪術法を聞き出した今、あとはカブトを操り江戸転生を解除すれば、転生の死人は全て消え、戦争も終わりの時が近づく。なら兄さん、あんたも。俺は木ノ葉隠れの内輩たちとしてもう一度忍び里を守ることができる。もうこの世界に未練はない。なぜだ。兄さんにあんなことをさせた木ノ葉のために、なんでまた兄さんが。兄さんが許せても俺がこの葉を許せない。この世に未練がないだと。俺をこんな風にさせたのは兄さんなんだぞ。お前を変えられるのはもう俺じゃない。だからせめてこの術を止めることが今の俺にできること。ナルトに託したことをないがしろにしないためにもな。
もう何を言っても無駄なようだな。あんたといると昔を思い出す。兄を慕っていた幼い日の気持ちをな。だからこそなんだ、昔のような仲の良かった俺たち兄弟に近づけば近づくほど、あんたを理解すれば理解するほど、あんたを苦しめた木の葉の里への憎しみが膨れ上がってくる。前にも増してどんどんそれが強くなる。あんたが俺にどうしてほしいのかは分かってるつもりだ。あんたは俺の兄だからこそ俺を否定するだろう。でも俺もあんたの弟だからこそ、あんたが何を言おうと止まらない。ここで兄さんが里を守ろうとも、俺は必ず里を潰す。さよならだ。兄さん。まだ間に合う。サスケ、俺はお前にいつも許せと嘘をつき、この手でお前のことをずっと遠ざけてきた。お前を巻き込みたくはなかった。だが今はこう思う。お前が父を、母を、内葉を変えることができたのかもしれないと。俺が初めからお前とちゃんと向き合い、同じ目線に立って真実を語り合っていれば、失敗した俺が今さらお前に上から多くを語っても伝わりはしない。だから今度こそ本当のことを少しだけ。お前は俺のことをずっと許さなくていい。だがお前がこれからどうなろうと、俺はお前をずっと愛している。これで最後だ。本当に。ありがとう、サスケ。お前の兄として生きることができて、俺は。幸せだったよ。